Eh bien, salut à tous, c'est Chimère. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, la dernière fois, nous avons fait la saga du cyborg, où on devait sauver et aider Trunks Futur dans son monde. Et donc là, normalement, nous allons nous attaquer à la saga de Boubou. J'espère que le serveur Xenoverse va pas trop mettre trop de temps à charger. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai joué entre temps, j'ai pas fait grand chose non plus. Donc là, je suis passé au niveau 44. Dans la vidéo précédente, je ne sais pas, j'étais à combien. C'est long. Et oui, sinon j'aurais une petite question à vous poser. Le jeu L'Ombre du Mordor, comme vous savez, je le fais aussi en let's play, mais j'ai fini en fait de tourner le jeu depuis un petit moment. Et en fait, je sais qu'ils ont sorti un DLC sur PC, PS4 et tout simplement Xbox One. Donc le DLC Le Seigneur de Lumière. Donc il s'agit de... En fait, on joue Celebrimbor et on doit tuer Sauron. Tout simplement. Ah, j'ai gagné pas mal de choses. Capsule toute énergie G, éclat tout aura, essence antidote, essence de forme. Ouais, pas mal. Donc là, nous allons aller voir Trunks. Hein. Donc oui, avant de m'égarer, je disais, donc c'est un DLC sur l'ombre du Mordor qui s'appelle le Seigneur de Lumière. Il s'agit en fait tout simplement qu'on dirige et qu'on dirige Celebrimbor, donc Seigneur Elf. Et en fait, tout simplement, ma question c'était, est-ce que vous savez si il va sortir sur 360, parce que j'ai vu sur des sites qu'il était sorti sur 36, mais malheureusement sur le Xbox Live je le trouve pas. Donc je sais que ça a rien à voir avec Dragon Ball, mais j'aurais bien voulu vous faire ce DLC là, tout simplement. Donc s'il y en a qui connaissent, qu'ils ont la réponse à ma question, j'aimerais bien qu'ils me répondent en commentaire. Voilà, je vous remercie d'avance. En 774. これがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったって、ちっとも怖くないぞ。何？
どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。Donc, on a compris très bien, Trunk. Faut garder en vie Son Goku ou Bou, tout simplement. Arega Son Goku ka. Bou mo Son Goku mo.かなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。Ah oui, d'accord. Donc on va combattre contre Mira. D'accord.Bah, c'est parti, on y va. J'espère qu'on va y arriver. Les amis, j'ai un truc à vous montrer. Attendez, on va se contrer. Wow.Regardez, attendez, je vais. Parce que faut pas qu'il est dans mes pattes pour le faire, sinon je vais pas y arriver. Voilà, et voilà, un Super Saiyan. J'ai tout simplement débloqué la technique par.En terminant le. Par contre, là, je vais me soigner. Voilà. Donc, je disais, j'ai tout simplement acheté la technique en terminant la saga de. Des cyborgs. Excusez-moi, j'ai besoin quand même un minimum de concentration pour faire ce combat.Pour vous dire, il est assez difficile à faire. Il est assez fort. Pour vous montrer, j'ai aussi gagné donc, la boule de la mort.Voilà, et j'ai aussi une technique que je vais vous montrer. Téléportation, donc on peut se téléporter devant et derrière lui, ça dépend de la position qu'on est. C'est ce que j'ai compris. J'avoue qu'il est assez fort. Faut que je me soigne. Tu vas prendre ça, allez hop. Bien, il m'a pas eu. Ah putain, mais il va crever lui, c'est pas possible.
Ah, c'est bon, on l'a mis KO. Incroyable, on l'a mis KO, on a réussi à le détruire. Et je pensais pas du tout qu'on aurait réussi quoi. Franchement. Oh mais tant mieux, ça fait un ennemi en moins. Hein. C'est pas rien. Donc on continue. いらないなければ、とはも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば、すべて解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっときついけど、やるしかねえか。 Popo, pas tous les bouts, d'accord. Il y a combien, 3? Ah, dès le début, sur le grand jeu, Son Goku. Merde, je croyais qu'en fait j'avais encore le Kamehameha, mais non, en fait je l'ai retiré pour l'attaque éclair. Donc ça c'est une technique qu'on doit s'entraîner avec en fait pour le maître C18. Voilà, c'est ça. Et tiens, prends-toi la boule de la mort et Son Goku crève pas, je te préviens. Oh le salaud. Allez, prends ça. On va se transformer en Super Saiyan. On va se téléporter. Oh le salaud. J'avoue, je m'y attendais pas du tout. Allez, encore. Attaque ultime, boule de la mort. Je me charge d'énergie. De toute façon, il va attaquer. Oh, ça fait mal. Même en me protégeant, j'ai pu rien faire. C'est pas vrai. Je me charge avant que mon Super Saiyan disparaît. Parce que en fait vous voyez la barre d'énergie, quand elle descend à zéro, on revient dans notre état normal. C'est-à-dire on n'est plus en Super Saiyan. Donc après faut se retransformer. Ça c'est chiant je trouve. Mais en même temps, c'est bien la réalité. Hein. Vous voyez comme dans le manga, quand Son Goku
est trop épuisé, ben il redevient normal, pas en Super Saiyan. D'ailleurs, il est où lui? Laissez-moi tranquille. Ah ouais, là j'ai plus de, j'ai plus rien. J'aimerais bien viser Son Goku en fait, et je sais pas si je peux. Non, je peux pas le soigner. Non, j'y crois pas. J'ai dû le soigner en fait. Tous les trois contre moi là. Effectivement, ça c'est chaud les amis. Donc aussi, je vais vous dire un truc. Je suis vraiment désolé si quand vous verrez la vidéo sur ma chaîne, que vous entendez des petits bruits sonores en fond, parce qu'en fait c'est mon cas, j'ai pas trop, merde, je me suis trompé, j'ai pas trop un casque assez bon pour l'instant, donc mais là j'en ai commandé un autre, normalement ça devrait aller pour les prochaines vidéos. Allez, boule de la mort. J'espère qu'on va réussir ce niveau. Tiens, lui il a moins de vie. Essayez de s'en débarrasser. C'est assez chaud les amis quand même. Il fuit peureux. Eh, j'ai touché le mauvais, non, j'y crois pas, l'autre il l'a défendu. Allez, on reste à la boule de la mort. Désolé, mais là je spam les attaques ultimes, c'est pour en finir assez rapidement. J'ai pas envie non plus que la vidéo dure des siècles, surtout que j'ai un ami qui m'a dit c'est assez hard cette saga là, là c'est difficile, et pas de trois bouts en obscur comme ça, c'est pas de la tarte. Ah, mais à chaque fois il y en a toujours un qui se met devant. Son Goku, je sais même pas si on peut le réanimer, c'est que dalle. Hop, c'est bon, lui est mort. On va se transformer en Super Saiyan. Et tiens, prends ça. Allez, debout. Parce que tout simplement, je veux réussir à tout prix pour pas recommencer la vidéo, ça va être beaucoup trop long, donc je veux réussir à tout prix ce niveau avec le boubou. Hop, c'est bon, on l'a battu, plus qu'un. Amène-toi. Comment qu'il a volé? C'est moi là plutôt qui vole. On y est presque. Attention. Ouh, c'était chaud là. Elle est ma dernière capsule. Pour me régénérer en vie. Et il va crever. Une dernière transformation, je l'espère. Là. Il est fait comme un rat. Ah, c'est bon, on a gagné. Oh non, putain, c'est pas vrai, encore trop. Ah ouais, effectivement, ça c'est hard. Je m'y attendais pas du tout.
Ah ouais, puis en plus j'ai plus de... Plus de capsules, j'ai plus rien. Ah, j'espère que ça va aller au moins. Oh là là, comment que c'est chaud patate. Heureusement, ils nous font pas perdre beaucoup de PV. Puis ils ont moins de PV, puis... Déjà, ils sont plus petits, j'ai l'impression. Ils sont plus faciles, déjà. Donc, c'est déjà un bon point. Donc là, normalement, j'espère que je vais l'en finir. Ouais, c'est bon. Un de moins. Puis c'est bien parce que avec mon âme Z, quand que ben, j'ai mis un ennemi KO, j'ai ma part d'énergie qui se remplit. Ça, c'est plutôt cool. Donc je suis pas obligé de me régénérer. Eh, foutez-moi la paix là. Vous avez rien fait. Ouh, il a pris cher. Putain, mais il y en a combien? C'est du délire là. Bon, je pense que la vidéo va durer plus longtemps que prévu. Mais j'espère tout sincèrement réussir. Donc on va se mettre en Super Saiyan. Bon, si on peut toucher plusieurs groupes en même temps, c'est parfait. Ouais, je commence à perdre... J'arrive à la moitié de mes PV. Je sais pas si je vais y arriver. On descend vite. Finir lui. Hop, c'est bon. On l'a mis KO. Putain, il en reste combien après? Oh, incroyable. En fait, pour cette mission, j'aurais dû mettre le Fire and Flash de Vegeta que j'ai gagné parce que oui, j'ai en maître, j'ai fini Petit Cœur et Vegeta. Et là, je suis prêt à terminer. Je suis dernier exercice de Krillin. Donc, je disais, j'aurais dû mettre le Fire and Flash, j'aurais peut-être mieux que la boule de la mort. Oh putain, c'est trop chaud. Ah, j'ai plus de PV en plus. Bon, j'ai pas le choix. Oh putain de merde. Excusez-moi, là je vais parler un peu moins parce que j'aimerais bien plus me concentrer. Petit là. J'aime bien beau petit. Entre parenthèses, c'est marqué. Hop, c'est bon, parfait. C'est KO. Alors, après.
Oui, fin. On a résisté. Je croyais qu'en fait fallait tous les battre, mais non, en fait fallait juste résister. C'était hard, hein. C'était trop chaud. Rang S, c'est un peu normal. Oh my god. Salut Bou. Au revoir. お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなくまがまがしい気を感じますか。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラ、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。Eh bien voilà les amis, ceci dit c'est la fin de notre épisode sur la saga, enfin elle n'est pas tout à fait terminée mais le début de la saga de Boubou. Donc je voulais dire que c'est vraiment, là c'était un début de partie de la saga de Boubou, vraiment épique, c'était assez difficile, donc... Nous verrons ce que ça nous réserve la prochaine fois dans la suite de Dragon Ball Xenoverse. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite de Dragon Ball. Amusez-vous bien et sayonara les gens.
があるね。